elle sera fixée dans le dos, normalement. Il faut que je trouve un moyen d'avoir tout ça. Ouh, le SC, elle chauffe. Il faut que je trouve un moyen d'avoir la batterie, le contrôleur de vitesse. Faut que je trouve tout ce que j'arrive à foutre tout ça dans le dos. Je ne sais pas encore comment. Et en même temps, il faut que j'avance sur les autres sirènes. Oups, il y a un souci, il y a l'axe qui sort. Merde, putain, fais chier. Je pense qu'il y a un problème, il y a tout le moteur qui sort un peu de son axe. Ça doit être la base qui est mal vissée en bas. Ça tient que par les câbles. Bon. J'ai retrouvé une vis sur les deux qui sert à fixer cette petite corolle noire au moteur. Donc ça, c'est la vis que j'ai remis resserrée. Mais la deuxième, je ne sais pas où elle est. Et c'est vraiment microscopique. J'ai commencé à faire tourner le bousin. Et qu'est-ce que je vois pas? Que je cherche par terre depuis super longtemps. La plus petite vis du monde. Et ça, c'est mon doigt. C'est mon index. Oh, comme je suis heureux et soulagé. C'est merveilleux. Bon, j'ai remis des rills en dessus pour la deuxième fois. Oui, je suis flou parce que je suis en macro, je sais. J'ai remis des rills en dessus pour la deuxième fois et je vais devoir les enlever pour la deuxième fois. C'est beau cette lumière bleue. J'ai un petit trou dans mon pantalon. Rien que ça, je sens le froid me rentrer dedans.